Yo la famille, c'est le Rocket92, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale parce que en fait dans cette vidéo la famille je vais vous montrer tout simplement mes provisions de survie parce que tu vois la daronne elle est partie au bled et du coup vous savez moi je suis pas trop fort en cuisine. Là j'ai fait des provisions d'une semaine parce que ma mère elle est partie au bled, du coup elle fait plus à manger etc. Et c'est moi qui dois me démerder etc. Donc là je vais vous montrer tout simplement mes provisions de survie, vous allez voir j'ai fait les courses, j'ai dévalisé un magasin, c'est une dinguerie donc c'est parti. Donc déjà pour commencer, le matin quand je me réveille j'ai pris des céréales, t'as vu, pour mes provisions de survie d'une semaine. Donc voilà, ça c'est des céréales quoi, chocolat. Chocolat, voilà, c'est Nestlé, c'est des bons, très très bonnes céréales. J'ai pris des fausses Miel Pops parce que t'as vu, frère, le compte en banque il commence à pleurer un peu. Non, ça, voilà, j'ai pris des Miel Nuts. Voilà, c'est une contrefaçon, je sais pas, sans doute. Et là, il y a des Nesquik aussi. Ensuite voilà, moi je sais pas faire à manger, regardez ce que j'ai pris. Les mecs vont dire ouais t'es sérieux en fait, tu sais pas faire à manger. Voilà, moi la dernière fois que j'ai fait à manger, la cuisine elle a failli exploser. Donc regardez, j'ai pris ça. Ça c'est des trucs grave faciles à faire tu vois. Plus la dame elle est pas là donc ça me dépanne grave facilement en 2 minutes. Donc du riz, méditerranée, tomate, du blé, très très bon. Encore du riz méditerranéen et du blé, donc c'est de la frappe. Avec ça, on a pris du pain à riz, ta vie, pour faire des petits sandwichs, tu vois. Tu peux faire des sandwichs au steak avec, tu peux faire plein de trucs. Et là, on va vous ouvrir le coffre-fort de la survie. Voilà, c'est vraiment ça que je vais me nourrir. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris des nems à la dinde. Ça, t'as vu, c'est très très important pour la survie. C'est grave facile à faire, la famille. Je les fais chauffer en 2 minutes. J'ai pris des pâtes, le stucu fromage. Ça, c'est la base de chez base. Ensuite, je vais vous montrer les autres bails. Hein. Ça, vous connaissez tous. Hein. Avec ça, tu peux assommer un mec, ma gueule. Batte de baseball, j'ai pris tout simplement du saucisson halal, voilà, la base aussi bon, pour la survie, ça c'est grave facile. Saucisson halal, tu fais du sandwich avec du pain de mie, ça peut être calé, tu vois. Ensuite, on a pris quoi encore? Du jus d'orange pour le matin, tu vois. Encore des pâtes, mais cette fois des pâtes mozzarella tomate. Enfin voilà, vous avez compris, je prends des trucs vraiment faciles à cuire parce que voilà, j'ai pas un bac plus 5 en cuisine. Donc voilà, j'ai pris des trucs faciles, des pâtes. Tu mets de l'eau chaude, c'est bon, ça cuit. Ensuite, là on a des restes de l'avenne. Bon, ça c'était ma soeur qui les avait ramenés. Ensuite là on a les catégories viande, donc j'ai pris du saucisson, ça très très facile à faire, du jambon de dinde pour faire des sandwichs avec, du poulet jambon de dinde barbecue, on a pris quoi, double fromage, voilà le fromage c'est très important, moi j'aime bien le fromage pour muscler un peu mon corps de lâche, vous avez compris, les produits laitiers c'est très important dans la vie. On a pris du yop aussi, j'ai pris du yop parce que là je suis tout seul, mes parents sont partis au bled, comme je vous l'ai dit. J'ai pris aussi des Kinder Pingui, des yaourts, il y a là, yaourt à la vanille. Attendez, je vais bien vous le montrer, regardez, yaourt à la vanille. Franchement, ben, voilà, j'ai pris vraiment des réserves de survie pour survivre en vrai de vrai. Et là, la petite sauce burger, tu vois, si je vais faire un sandwich. Et là, on va tout simplement passer au rayon surgelé. Après, je vais vous montrer mon placard. Hein. Et quand je vous dis, j'ai fait des réserves, j'ai pas fait à moitié la famille. Hein. J'ai vraiment fait des réserves pour pas mourir. Donc, pizza, chèvre. Donc voilà, en fait, c'est une pizza surgelée, vous avez compris. Deuxième pizza surgelée. Et là, on a de l'emmental, mozzarella, chèvre emmental. Donc, une pizza 4 fromages. Du steak, très très important pour la survie, la famille. Si vous savez pas faire à manger, prenez du steak surgelé, c'est grave rapide à faire. Voilà, j'ai pris du steak surgelé halal pour faire des hamburgers. Là, j'ai pris tout simplement de l'escalope, escalope halal. Donc ça, ça a l'air d'être pas mal avec des pâtes, ça peut être bien. Du poisson de colin, donc ça j'en ai déjà mangé parce que la survie, elle a déjà commencé la mission de survie. Et tu descends là, pizza. Donc voilà, c'est bon, j'ai réussi à la sortir, donc pizza, saumon. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment pris des pizzas surgelées. Vous avez compris parce que c'est facile à faire. Et là, maintenant, je vais vous montrer le placard. Vous allez voir, il y a des gâteaux, des chips, c'est une dinguerie. Ok, maintenant la famille, go pour vous montrer le placard. Donc c'est là où il y a tous les trucs sucrés, les gâteaux, etc. Parce qu'en fait je vous ai tout simplement montré tout ce qui est salé, viande, etc. Donc c'est parti pour vous montrer mes provisions de survie pour tout ce qui est sucré. Donc déjà là on a un paquet de gâteaux en bas. Donc il n'est pas dans le placard parce qu'en fait il est rempli de ouf. Je vais vous montrer de toute façon. Donc j'ai pris des Lulu Ourson goût chocolat. Ça c'est bon, regardez, voilà c'est ça. Ensuite là je vais ouvrir le placard, regardez-moi ça. Oh là là, je peux vous dire que là j'ai fait des prévisions. Comme ça je suis sûr de ne pas mourir, la famille. Donc déjà j'ai pris des popcorn, donc regardez, popcorn ça avec une série Netflix, ça passe crème, vous avez capté. Donc regardez, j'ai pris 2 paquets. Ensuite j'ai pris des fingers, ces gâteaux là c'est grave bon au chocolat le matin et tout, etc. Tu vois, c'est parfait. Ensuite là on a tout simplement des petits écoliers lus. Donc voilà, j'ai pris vraiment plein de gâteaux de type de marque. On a pris des granolas. Granola, ça c'est bon aussi, c'est croustillant. Ah, c'est du bon chocolat. Là, en termes de chips, j'ai pris des chips Lay's. Chips Lay's, c'est vraiment des chips que j'apprécie. Mais il y a beaucoup de dioxyde de carbone dedans. Enfin, il y a beaucoup de vide, tu vois. Donc voilà, j'ai pris fromage, barbecue pour les chips de la famille. Et là, regarde ce qu'il y a au fond. Regardez, hein.
Donc il reste les brioches, les peaches, les croissants, voilà, parce que j'ai la flemme d'aller à la boulangerie, je suis en flemmard, je sais. Des brioches qui restent, voilà. Donc voilà, ça va être tout simplement la famille, mes provisions de la semaine, vu que mes parents ils sont au bled, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la famille. C'était juste une petite vidéo histoire de vous montrer comment je me débrouille quand je suis tout seul, qu'est-ce que je mange, etc. Malgré que je ne sais pas cuisiner. Donc si cette vidéo vous a plu, la famille, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, partager, commenter la vidéo. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao!